Ensuite, je voulais revenir un petit peu sur le RGPD. Comment t'appréhendes cette nouvelle loi, donc depuis le mois de mai 2018, tout ce qui est règlement général sur la protection des données. Comment t'appréhendes un petit peu ça sur tes nouveaux projets, sur les projets que tu avais déjà avant le RGPD, à savoir que c'est quelque chose quand même qui est assez lourd, hein, on va pas se le cacher, assez galère à mettre en place. Après, quant à l'utilité sur le fond, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée de faire quelque chose qui va dans le sens de la protection des données des utilisateurs. Par contre, dans la mise en œuvre, c'est un petit peu lourdingue. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Alors, moi, c'est vrai que j'agis vraiment sur le technique, donc ça, je laisse quand même au client, je vous signale. D'ailleurs, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec PrestaShop, du coup, et notamment la 1.7 qui, ça, le prévoit avec un module gratuit qui permet de faire les RGPD très, très rapidement, très simplement. Mais c'est vrai que je trouve ça. Alors, oui, sur le principe, c'est très, très bien. Mais maintenant, pour moi, c'est un peu du vent, comme l'histoire des cookies. Oui. Le bandeau cookie qui, en fait, tout le monde a un bandeau cookie sur son site. Il faut cliquer OK pour valider, en gros, le fait que le site utilise les cookies, etc. Mais en fait, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Ça marche pas comme ça devrait. Parce C'est que, ça. notamment sur un CMS, on ne peut pas, là je vais parler de PrestaShop, on ne peut pas identifier quel module utilise les cookies, par exemple. Et donc, il faudrait à la première visite du client désactiver ces modules-là. Et lorsqu'il a validé, réactiver les trucs. Pareil pour les tracking Google Analytics, tout ça. Il y a malheureusement, enfin, on ne peut pas vraiment le contrôler, quoi. Il faudrait vraiment faire du gros développement. Je pense qu'il n'y a que les grosses, grosses boîtes qui vraiment le gèrent bien. Mais sinon, je pense que malheureusement, enfin, le petit commerçant qui lui connaît rien en code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter le module. Oui, et Et puis sur le fond, voilà. si ça marche pas, bah, en fait, il va jamais le savoir, quoi. C'est ça, tout à fait. Ça, alors oui, sur le principe, c'est bien, mais très honnêtement, je sais pas si ça marche comme il faut. Il Bon, faut que je ça suis fait quelque persuadé que non, chose puisque sans nous. enfin, j'ai jamais remarqué, déjà, bien souvent, tu n'as pas le choix de non, je ne souhaite pas activer les cookies. Donc, par défaut, tu as juste à cliquer sur j'accepte. Et je n'ai jamais vraiment fait le test, mais je ne serais pas étonné que non plus que dans les rares fois où tu peux cliquer sur je n'accepte pas. Je suis pas convaincu que ça désactive effectivement tous les cookies qui sont actifs sur le site. Tout simplement parce que comme tu viens de le dire, bah ça poserait parfois des problèmes de fonctionnalité Ça et de ne marche pas. fonctionnement. Donc c'est Ça ne marche pas parce que par exemple, le panier de PrestaShop, il est dans les cookies. oui aussi oui. Donc bah voilà. Donc déjà rien que ça. Oui c'est Donc dans ça le ne marche fond c'est bien. Donc on a un peu la même conclusion, c'est-à-dire que dans le fond c'est une bonne idée. Par contre dans la forme. Bah un petit peu à l'image de, bon, je vais pas forcément me faire que des amis, mais un petit peu tout ce qui est administratif, l'administration française, bien que là ce soit une loi européenne, bah c'est un peu lourd et difficile à mettre en œuvre, tout simplement parce que c'est, j'imagine que c'en est la raison. Les personnes qui sont à l'origine de ce genre de loi ne sont pas vraiment au fait de ce qui se fait techniquement, de ce qui est possible et dans quelle mesure c'est réalisable. Donc c'est un petit peu dommage. L'idée est bonne, mais la forme est ça, pas c'est quoi au top, techniquement quoi. derrière, ouais. C'est les développeurs qui au final ils trinquent et ils doivent trouver des solutions. Ça, moi je pense que ça devrait juste être vraiment les très grosses sociétés qui eux justement utilisent la data pour faire des tracking, enfin qui la revendent et tout, qui eux vraiment devraient vraiment faire bien les choses. Mais sinon pour les petits commerçants, Oui, c'est pas le point sur lequel est-ce que c'est nécessaire? il faut s'attarder là-dessus, faut pas mettre de budget là-dedans, quoi. Parce que avant Non. déjà qu'on vous contrôle pour ça, bien que ça puisse arriver, attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, que vous ne serez pas contrôlé, j'en sais absolument rien. Vous devez le faire, c'est la loi. Par contre, bon, voilà, dans la réalité, est-ce que vous risquez quelque chose par rapport à du Amazon, du Google Analytics, enfin voilà, les GAFA et autres grosses boîtes, est-ce qu'effectivement vous risquez quelque chose? Bon, je sais pas non plus, mais c'est vrai que ça lève songeur, quoi. Ça, voilà.